Ajouté, Israël a déployé des centaines de policiers supplémentaires à Jérusalem vendredi, jour de grande prière sur l'esplanade des mosquées, après les appels palestiniens à protester contre la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël, a indiqué la police. Plusieurs centaines de policiers et de gardes frontières supplémentaires ont été déployés à l'intérieur et autour de la vieille ville, a dit à l'AFP un porte-parole de la police, Mickey Rosenfeld. Aucune restriction d'âge n'a été imposée aux fidèles de Jérusalem pour accéder à l'esplanade, a-t-il ajouté, contrairement à des mesures prises dans les périodes de vive tension. L'esplanade, troisième lieu saint de l'islam également révéré par les Juifs sous le nom de Mont du Temple, se trouve à Jérusalem et, annexé et occupé par Israël. Les forces israéliennes en contrôlent tous les accès. Les policiers étaient effectivement plus nombreux qu'à l'accoutumée dans les ruelles de la vieille ville, sans atteindre les effectifs déployés dans les situations de forte tension, a constaté un journaliste de l'AFP. Les organisations palestiniennes ont appelé à manifester après la décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël et d'y transférer à terme l'ambassade des États-Unis.